Bonjour, je suis Eric Buist, Stone Block 2. Je sais pas ce que ça va aller cette affaire-là, mais je me suis dit, bon, là, je vais enregistrer le début. Moi, je sais pas jusqu'à. Je pense que je vais essayer de moins enregistrer parce que ça, souvent ça aboutit pas, pis c'est super. C'est trop long pour rien, mais il faut au moins que je monte le début. Unnamed World. Comment l'appeler? Alors, c'est quoi le principe de ce pack-là? C'est qu'au lieu de commencer dans une skyblock, on commence dans une caverne, complètement fermée. Et tout ce qu'on a, c'est de la pierre, puis là, il faut essayer de faire de quoi avec ça. C'est ça. Là, c'est un pack FTB, fait que ça se peut que ce soit mieux supporté que Modern Skyblock 3, peut-être qu'il va moins... Mais je pense que ce qui est arrivé, c'est que Modern Skyblock 3, c'est que ma map était trop. Elle était surchargée à la fin. Il y avait trop de stock dessus, ça marchait plus. Alors, quand on commence, on est dans cette caverne. Avec absolument rien. Ils m'ont donné une pomme. Un pet rock, je sais pas c'est quoi, je vais pas le savoir tout de suite. Je vais la serrer à un moment donné, peut-être. Là, mais... Puis un questbook. Là, si on ouvre le questbook, on a différentes étapes à faire. La première, c'est le Building Block of Life. Il faut se récupérer des pebbles. Avec ça, on va creuser. Donc là, on y va. Il faut creuser qu'une main vide. Ça, c'est un beau piège parce que maintenant, j'arrive ici. Ah, j'avais pas de main vide. Il faut que j'en ramasse comme ça, là. Une certaine quantité. Je pense que c'était 16 que j'ai. Il va falloir en avoir beaucoup de toute façon. Ah, là, je pense qu'il est content, ça se peut-tu? J'en vais ici. Ouais. Je prendrai pas les cadeaux tout de suite parce que je peux pas les stocker. Alors là, pour transformer ça en cobblestone, on les groupe deux par deux. Je l'ai fait une fois pour le montrer. Ça ne donne rien à faire ça comme ça. On met notre pointeur là-dessus et on fait K. La touche K. Ça les prend deux par deux et ça les groupe. Fait que là, il faut que je m'organise pour avoir 12 cobblestone de même. Fait que là, il faut que je mine un peu plus. J'ai enlevé la musique aussi parce que quand je vais faire des coupes, ça va juste être pas beau, là. Puis ça va me permettre aussi de mieux entendre ma voix, parce que souvent la musique, elle va l'enterrer la voix, puis ça... Déjà qu'on dirait des fois que mon micro est variable, puis des fois on l'entend, des fois on l'entend bon et moins bien, fait que si on met de la musique là-dessus, là, on est fait, on n'entendra plus rien. Bon, j'ai les pierres. Donc on va se servir... De 4 pierres pour faire Stone Crafting Table. Imagine. C'est la même chose qu'une table crafting, une table de crafting, mais pour le pot de la pierre. Il faut faire ça aussi. Avoir 4. Maintenant, encore la musique. Faire un Stone Chest. Pour pouvoir stocker des choses. Je vais pouvoir mettre des affaires que j'ai pas besoin. Bon. Là, je peux ranger les choses que j'ai en trou. Non, les rewards, je vais pouvoir demander maintenant. Oui. Donc, en le 1, c'est des systèmes aléatoires. Fait qu'on peut se retrouver avec toutes sortes de cossins. Dirt, il faut créer de la terre. Oh, on va faire pour créer de la terre. Dirt. Craft a stone hammer and use it on cobblestone to get gravel and then to get dirt. Ok. Il faut que je fasse un stone hammer pour ça.
Les affaires que j'ai eu en cadeau, j'ai eu une cloche, super utile, mais pour l'instant. Oh, Void Metal, waouh, c'est cool, c'est situé MC ça? Non, c'est pas MC. Simple Alloy Smelter, comme intéressant. Mechanical Crafter, waouh, ok. Ouais, c'est un pack qui est Kitchen Sink. Les affaires sont plus ouvertes au moins là-dedans qu'un Skyblock, parce qu'on n'avait rien au début, là. Ok, là, faut que je fasse quoi? Faut que je fasse un Stone Hammer, c'est ça. Stone Hammer. On va le faire pas comme Breast. Oh, c'est deux sticks. Ah, on peut faire des bâtons en pierre. Avec des cobblestone. Ouais, des cobblestone, on peut faire des rods. On va commencer par ça. C'était quoi l'autre la structure? Ok, oui, c'est ça, c'est deux pierres. Donc, ça va prendre minimum quatre pierres. Là, mes rods. Il faut que j'aille me rechercher de la pierre. Ok, c'est bon. Là, je mets ça dans la table de crafting en pierre. Deux bâtons et deux pierres. Ça fait un stone hammer. Prends ça dans mes mains. Puis on va essayer de puncher la pierre avec ça. Ça nous fait rien d'autre que de la. Rien du tout. C'est pour ça que vous faites de la gravelle. Mais ça n'a rien fait. Il commence à faire noir en tonnerre. Ah ben j'ai grandi puis j'ai pas de torche. Ça sent où ça? Je sais pas. Cobblestone, ça sent où? Ça reste. Je sais pas ce qui. Je sais pas si ça sent où. Bien. Qu'est-ce que ça fait? Je comprends pas, là, ça. Ah, ça, je comprends pas, là, ça. Il y a des systèmes, bon, il y en a pas. Ça fait d'autres que Boston? Ah oui, voilà, ok, ça fait des cobblestones. Ok, ça fait des cobblestones. C'est pas ça qu'on veut. On veut des gravelles. Peut-être que si on met les cobblestones à terre. Ah, si on mine la stone avec le hammer, ça fait de la gravelle, ok. Avec de la terre. Bam! Oui, dirt. Ça va niaiser, mais on a besoin. Et après ça, il va falloir que je fasse crooked. Ah ouais. Craft à stone crook. Fait quoi de la stone crook? Le stone crook. Can be used on dirt. Ah, pour obtenir des saplings. Ah, ok. C'est bon. Là, ça me prend un stone crook. What? On peut pas là. Hein.
Ça marche pas, ça, mais non, c'est quoi cette recette-là? Liquid XP. Ah, c'est ça ici, ok. Ça prend 4 misérables. Oh, il en reste juste 4, justement. Là, je retrouve ma table de crafting. J'ai complètement perdu parce qu'il fait trop noir. Ah, ici. Ah, c'est quoi ça? Oh, Torch Launcher. Ça peut-tu marcher, ça? Ah, cool, bon! Ouais, je sais pas, il y a probablement une durabilité là-dessus, là. 5 clics, ben, c'est bon ça. Hey. Ah! Ça a l'air niaiseux, là. J'ai l'air con de lancer des torches de même. Bon. Ah, il est disparu. Il est plus là, mon torch lantern. Ah, il est ici. Ah, ça peut servir, ça, là. Tout ce qui fait un peu noir, lance une torche, un clac. Pourquoi ça marche plus? Je sais pas. Et voilà. Un trou ici rendu. Ouais, bon, voilà. Je vais mettre des plafonds par contre, des torches. Et voilà. On les enlèvera, là. Ah! Ça a l'air mieux, cette caverne-là. Je vais installer mon croc, là. Je vais faire ça sur la terre, le croc, ouais. Faut qu'il m'en reste une, là. Ouais, c'est vrai. Oh, spruce sapling. Ok. J'ai un spruce, j'ai un oak. Il me demande ça d'en faire pousser un certain. Ça, j'ai eu mon crook, il doit être content. Ah, ici, ouais. Crooked. Photosynthèse. 16x. Il faut que je fasse pousser du bois. J'imagine que si j'installe un bloc de terre dans le milieu de ma pétanque, ça va marcher, je sais pas. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être l'enfoncer ici. Puis mettre n'importe quel. Ouais, peut-être en prendre un pas trop gros. Les jungles, ça c'est gros. On prend un oak. Ça a marché! Oh! Là, on va le couper à la bras. Moi, je dirais que ce serait une bonne idée. Je peux peut-être croquer les feuilles. C'est du vin de main, là, je sais pas. Ça a fonctionné, mais faut que j'en ramasse, là. Bon, on excavate. On va s'en servir. Mais ça la touche divide, je l'ai faite sur mon autre pack. Le seul problème, c'est que ça donne faim. Mais bon. On fait pousser l'arbre. On essaye. Il a poussé une fois, je ne vois pas pourquoi il ne pousserait pas deux fois. Et voilà. Là, je prends ma main. Moi, je pense qu'il faut prendre un outil. Prendre la planche de bois. Oups. Ok, c'est ça. Et voilà. Si on peut le refaire, le refaire, le refaire quelques fois. Ok, là j'ai réussi à rassembler ce qu'il fallait ici. Le bois. Ça m'a donné un autre petit cadeau. Je vais mettre ça dans mon coffre, je peux le retrouver. Donc là, ce qu'on va faire, c'est infester un arbre. Donc là, on va se prendre. Ah, c'est quoi ça? Ah, des cryo-stabilized flux duct. Ouais. Je vais faire un beau cadeau pour commencer la partie, ça.
Ça en est drôle. Je vais placer une autre sur la plaine. On va le faire pousser. Ah, ça, il va falloir le miner avec le croc pour récupérer les feuilles. Donc, je vais prendre le croc. Je vais faire un vein de mine avec ça. Des fois ça casse le croc, mais ça me donne quand même les 5 worms dont j'avais besoin. Bon. J'enlève ça. Ça donne du bois. On va replanter ça. Ça, c'est Shift là, que j'utilise pour twerker, comme on appelle. Il y a le Twerk Simulator. Ça, c'est pas mal commun dans les packs où on commence avec rien. Il faut quand même twerker encore dans l'espoir qu'à un moment donné ça finisse peut-être par fonctionner. Bon, ça y est, je l'ai. Donc là, je vais infester les feuilles avec le silkworm. Voilà. Et sauf que là, je suis pogné dans l'arbre. C'est pas chouette, ça. Et là, je suis pogné dans l'arbre. Ok, je vais venir tout contourner l'arbre et atteindre ma crafting table. C'est déjà ça. Ok, fait que je vais pouvoir même faire du ménage un peu pendant que mes affaires sont en train de s'infester. Donc, les cryo stabilise, j'ai pas besoin de ça tout de suite. Les tiges de pierre, pas vraiment tout ça. Je peux ranger les surplus. Hein. J'ai eu d'autres pommes. Cool, parce que maintenant, je vais faire que je mange. Les saplings de surplus, je vais les garder. Pour l'instant, j'ai pas besoin de clarifier les affaires. J'ai juste besoin de mettre ça. On les a. Ils sont pas encore infestés à 100%. En ce cas-là, je peux peut-être commencer à travailler sur les affaires Tinker Construct. Je n'ai pas absolument besoin, mais je pourrais en faire. Là. Donc, on va se faire du bois comme ça, au moins des planches. On peut faire la crafting station. Elle est super utile parce qu'elle me permet de garder les systèmes dedans. Ça, c'est pas plus bon. Je me rappelle bien, c'était comme ça. Avec des bâtons, ouais. C'est des bâtons comme ça. Ouais, c'est ça. C'est le blank pattern. C'est la base du mode. Blank pattern plus une chose comme ça, ça nous fait un part builder. Blanc plus une bûche. Blank pattern plus une planche. Ça fait. Le stencil table, ok. Puis là, il y avait. Il y en a d'autres, là. Il y a la crafting station. Ah, c'est la Tool Station. La Tool Station. Donc, c'est une crafting table avec ça. Il faut que je me récupère d'autres planches. Je récupère une crafting table. Je mets un pattern là-dessus. Je suis pas sûr, je pense pas, ça me tente plus ou moins d'utiliser Tinker Construct dans ce playthrough-là, si je peux l'éviter, mais comme là, j'ai du temps à tuer, en attendant que l'arbre infeste, on va faire des morceaux. Là, c'était le Pattern Chest. C'est un chest avec un pattern. On va faire un coffre en bois! Wow! Et de une. Et de deux. Ça, c'est des recettes bien classiques. Pattern chest. J'ai dit toutes.
Je pense que oui, ouais, je l'ai fait. J'ai eu un cadeau pour ça. Sais pas ce que ça m'a donné, là. Ah, j'ai d'autres saplings ici, les silkworms. Là, je pense que les silkworms, j'aurais plus besoin pour l'instant. Je peux les ranger. On peut les faire cuire, faire une sorte de nourriture. J'ai pas encore fait de fournaise, mais. Je peux ranger peut-être des accessoires dont j'ai plus besoin en ce moment. Ah, un generator! Ah, ouais. The Draconic Evolution. Bon, on pourrait l'installer au moins, le rig. Oh, oui. Mettre ça peut-être. Ah, lui, mais mon arbre doit être prêt, là. Ouais, il est fait. On va le miner. Donc, on va y aller avec. Ça donne des fils. Bon, on va bûcher le bois aussi. Ah, j'ai perdu mon marteau. Non. Bon, voilà. Me donne du bois, ça me donne des fils. Je vais en chasser ça dans le mur ici, ma table. Ma fait Tinker Construct, là. Donc, si on veut crafter des outils, on commence toujours avec la stencil table. Après ça, on a besoin du part builder pour transformer nos patterns en morceaux. On a besoin du pattern chest pour les stocker. Mets ça là-dedans. Part builder ici. Après ça, un coup qu'on a nos morceaux, crafting station. Puis c'est toujours utile d'avoir une tool station. Puis c'est toujours utile d'avoir une crafting station aussi. Puis quand tout ça est fait comme il faut, les parties du système sont accessibles par des onglets. Pas besoin de faire clic, 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 escape, puis finir. Wow! Excellent! Alors, c'est ça. Je vais juste voir qu'est-ce que. Ici, où ouais, la string est faite. On pourrait faire mining dimension. Ah! Visite de Mining Dimension. The Overworld has no ores. It is entirely made of stone. C'est vrai ça? The only way to find ores is to dig your way up to the. Ah ouais. Ah. Ok. Donc on peut éliminer. Classique, c'est quoi ça? Sieves, ok. Ok, ben je pourrais générer des ressources soit en. Ah. On a-tu accès à se faire un pickaxe en stone? Je sais pas. On peut toujours essayer. Ça coûte rien. J'ai trois pierres ici. Je dois avoir des bâtons là-dedans. On peut se faire un pickaxe. Pas en bois, là. En bois, c'est cheapette, pas mal. Là. Hey! Draconic Corp! Mais là, voyons donc. Ah, on peut faire des outils. Ils n'ont pas l'air d'être nerfés, c'est juste que là, j'ai. Ah, t'es sûr qu'ils ne sont pas nerfés? Ah, ils gardent des items dedans, c'est bon. Durability 131, c'est sûr que c'est pas fort. On va l'essayer. Va falloir quelque chose pour grimper par contre si on va aller là. Ouais, c'est ça. J'ai une pioche. Ok, ça je mets toujours mon épée ici, absolument. Puis ma pioche en deuxième pour pouvoir faire. Allez. Pouvoir faire des clics, c'est plus facile.
Faudrait se faire une structure, par contre, si on veut grimper, là. Ouais, c'est sûr que ça va pas être la joie de grimper comme ça. Ouais. J'ai pas accès au Ender Pearl pour me faire un elevator, fait qu'il va falloir faire quelque chose de un peu plus old school pour commencer. Je vais ranger les ouais, j'allais dire les cochonneries, c'est pas des cochonneries, c'est beau comme We Are, d'avoir un draconique capacitor. Mais je vais ranger les autres affaires qui prennent de la place. Basic Flux Storage. Ah ouais. Hey, mon coffre s'en vient plein. Fait que là, rendu à ce point-ci, je peux soit faire du ex-nihilo, qui est un petit peu long et grindy, ou je pourrais peut-être miner. Ouais, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer de miner. Ça fait longtemps que j'ai pas miné. Et là, je pense que ça doit faire une bonne demi-heure que j'explore cette petite caverne-là, là. Fait que je vais arrêter ça comme ça. Je vais essayer de penser une façon de grimper au plafond, là, puis être capable de descendre, ça me pète à la gueule. Puis on va voir ce que ça va faire. Bon, à la prochaine.